2 heures, ça va nous amener juste derrière la Punta Minuda, qui est à droite. Vous allez voir, il y a un peu d'air, il fait pas très chaud. Donc on va monter peut-être en t-shirt, après on sortira peut-être une veste à l'entrée du cirque, parce que c'est un couloir où il y a un peu d'air frais. Alors aujourd'hui, pour commencer, en partant d'Ascq, on va monter vers la pointe des Éboulis, au pied de plusieurs des sommets emblématiques du massif du Chint. Et le Chint qui est donc le sommet culminant de la Corse. Vous voulez changer tous les combien ça ? Ça fait combien de temps que c'était installé ? En fait, on le fait. Ceux-là, ils ont été changés il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. En fait, ce qu'on regarde surtout, c'est que les maillons, bon, soit ils ne sont pas dévissés, que le spit il est bien vissé là. Et après, le maillon, tu vois, ce qui cisaille, c'est le frottement en fait du maillon sur la plaquette là. Ça, c'est une particularité quand même du jardin. Ce sont les agents du parc naturel régional qui s'occupent en fait, qui sont chargés de l'entretien du sentier. Ouais. Nous, on est gestionnaire de l'itinéraire. Donc en fait, tout ce qu'il y a sur l'itinéraire, on en a la charge et au niveau surtout sécurité, c'est à nous de le vérifier, surtout sur les passages aménagés comme ça. Quand on se trouve dans de tels paysages, on se dit d'abord qu'on est tout petit. Nous ici, on voit très très bien l'endroit d'où on vient en fait. Là-bas au fond, le Monte Corone, sur lequel on était il y a 2 jours, le Ladroncello qu'on avait enchaîné, et puis là la vallée qu'on a montée ce matin, et tout ça au pied du Chint. Et on peut se poser une autre question, mais qui sont ceux qui ont décidé de commencer en fait à escalader des voies, chercher des voies pour faire ces sommets. Voilà, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut être très vigilant quand on monte et surtout lorsqu'on a du monde en dessous. Alors là, on est sur la face nord du Chint, et donc il y a beaucoup de, il y a des voies d'escalade en terrain d'aventure, hein, et dont en fait là sur la fissure là qu'on voit qui est vraiment caractéristique, il y a une voie un peu mythique, la classique du Chint qui s'appelle la Calstro, et où l'été tu as beaucoup de grimpeurs qui viennent et qui se lancent là parce que c'est une voie qui est sur tous les topos. Et qui est la classique du Chint en face nord, quoi. Alors dites-moi un petit peu, pour quelle raison est-ce que vous êtes engagé sur ce GR20? Ah ouais, c'est parti d'un délire d'un copain en fait. Et comme ça fait tout classique, hein, après boulot, les enfants, voilà, ça fait 10-15 ans qu'on avait la tête dans le guidon. Et l'idée, c'était de faire un truc un peu sportif, prendre le temps pour nous, voilà. Fin. Donc c'était l'idée, puis j'avais fait il y a 25 ans ado. Et l'idée, c'était de refaire 25 ans après pour voir ce que ça donne, quoi. La fameuse pointe des Éboulis, c'est le point culminant de ce GR20 après une très très belle montée depuis le fond de la vallée d'Ascq. C'était
C'était vraiment un très très bon moment. Là au fond, c'est le point culminant de la Corse, le Monte Cin. Et de ce côté, on change de vallée, le Niolo. Et on va continuer ce soir. On sera à Tidiette et on va encore enchaîner une sacrée descente.